Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire. Alors oui, on a changé un petit peu de décor. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un peu en extérieur. Alors j'essaierai de monter un petit peu le son comme je peux. J'ai pas vraiment de trépied, j'ai juste posé mon iPad sur une chaise. Et voilà. Donc du coup là je filme avec l'iPhone. Donc j'espère que ça va rendre bien. Désolée s'il y a des bruits par exemple de... des bruits ambiants, donc c'est-à-dire des personnes qui tombent, ou alors par exemple des chiens qui aboient, enfin voilà, on est à la campagne. Donc du coup aujourd'hui je suis trop contente vraiment, parce que du coup aujourd'hui je suis en repos, je vous donne un peu des nouvelles aussi. Donc déjà je vous avais dit la dernière fois que j'allais avoir une réponse, du coup je suis embauchée à mon travail, donc ça c'est génial. Ensuite du coup il y a quand même pas mal de choses qui ont changé comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas déménagé, mais comme vous pouvez le voir j'ai pas le même décor que d'habitude. Et vu qu'il fait hyper beau, je me suis dit pourquoi pas filmer à l'extérieur. Et aussi du coup aujourd'hui j'ai eu une super nouvelle, parce que du coup j'ai vu que mon chanteur vraiment préféré Soul King allait faire un concert à Paris, alors que ça faisait très très longtemps qu'il avait pas fait de concert justement en France. Et du coup, j'ai réussi à avoir mes places. Donc j'y vais le 18 octobre 2022. Je suis vraiment trop contente. Donc ça allait au Lapin à Paris. Je pense que je vous ferai un vlog, parce que franchement, enfin si on peut filmer bien sûr. Mais franchement, ce serait vraiment génial que je puisse vous faire un vlog vraiment. Ce matin, j'en ai pleuré. Enfin, pour les personnes qui ont vraiment une idole, voilà. Donc je pense qu'on va commencer tout de suite. Ah oui, des dernières choses. J'attends aussi une réponse de savoir si je peux avoir un crédit pour avoir une nouvelle voiture. Donc voilà, beaucoup de bonnes nouvelles. Et aussi, merci beaucoup parce qu'on a atteint les 400, je ne sais plus combien abonnés. Donc merci beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes achats sur Jennifer. Donc du coup, déjà, on a ce petit gilet-là, vraiment trop beau. Franchement il est magnifique, je vais vous montrer. Par contre faites pas attention à ma dégaine en dessous, parce que je suis en claquette et en jogging. Donc voilà. Mais voilà, je vais vous montrer. Voilà comment il se présente. J'essaie de me mettre un petit peu plus loin pour que... Ah, voilà comment il est. Genre vraiment, il est trop beau. Bon, j'ai encore un peu d'effort à faire pour que vous puissiez mieux le voir. Mais bon, je vous mettrai une photo de toute façon. Ensuite on a, donc j'ai gardé les prix bien sûr, on a ce petit gilet là. Alors j'avais dit que je ne voulais pas de bicolore, mais tant pis, franchement je le trouve trop trop beau. Donc voilà, et en fait il est en maille comme ça. Du coup je l'ai pris en L pour que ce soit très large. Voilà, donc il est camel et marron. Désolée pour les voitures. Je vais essayer de monter le son au montage. Donc voilà comment il est. Alors si je dis pas de bêtises, j'ai gardé les étiquettes, mais il faut que je les trouve. Alors celui-là, non c'est pas celui-là. Ah oui, parce que je vous ai pas donné le prix. Ça, du coup, il est à 25,99€. Voilà, sans solde. Et il est en M, mais j'adore parce qu'il est hyper large. Donc celui-là coûte 25. Un petit peu cher, mais il est vachement beau. Et je le mets assez souvent. Alors ensuite, est-ce que je vais retrouver celui-là? Je me rappelle plus du tout combien il coûtait. Peut-être comme le deuxième. Je sais plus du tout. C'est pas grave, vous verrez quand je vous mettrai l'image sur le site, mais je me rappelle plus. Ensuite, on a exactement le même, mais en blanc. Mais genre magnifique. Alors celui-là, je pense que je vais essayer de pas trop le mettre souvent, parce que j'ai un peu peur de le salir. Enfin, il est blanc, mais un petit peu plus crème que blanc, en fait. Donc voilà, il est trop, trop, trop beau. Magnifique. Alors, celui-là, j'ai pas enlevé l'étiquette parce que je ne l'ai pas encore porté. Il est en L et il coûte 17,99€. Voilà, j'aime bien les prendre en L. Donc, c'est exactement le même que le marron, sauf qu'il est en couleur crème. Et il est un petit peu plus doux, j'ai l'impression. Ensuite, on a donc la collection de Danae. Donc voilà, comme ça. Avec le t-shirt que je vais mettre, c'est sûr. Je ne l'ai juste pas encore porté. Enfin, juste essayé. Donc il coûte 12,99€. Je l'ai pris en ML pour vraiment qu'il soit très large. Et voilà comment il est vraiment.
Et en tout cas, il a l'air hyper confortable. Je vais juste essayer. Vous avez un petit papillon et c'est écrit Butterfly. Et franchement, ça, j'aime bien, on va dire, quand il y a des youtubeurs ou des influenceuses ou même quand ils font des... Par exemple, ils ont des licences avec... comment ça s'appelle enfin, avec Stitch, enfin Disney, etc. Donc voilà, il est hyper long. Donc ça, je pense que soit je le mettrai avec un short en dessous ou alors juste comme ça quand je sais pas quoi mettre, on va dire. Ensuite, on a le pantalon. Voilà. Ah là, celui-là, je pourrais pas trop vous le montrer porté. Enfin, la plupart des vêtements, je pense que je vais vous mettre une image sur le site parce que porté, c'est un peu compliqué. Donc celui-là, donc, en fait, c'est le jean. Je pense que vous avez dû le voir sur le site. Et il est comme ça. Et vous avez plein de petits papillons dessus. Il y a deux papillons sur chaque jambe. Donc voilà. Par contre, c'est dommage parce que sur les sites, on voit pas, je trouve qu'on ne voit pas trop les détails. Par exemple, ce pantalon-là, enfin... J'avais pas l'impression qu'il était comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et donc celui-là, ben, je l'ai pris en 38. Sauf que le problème, c'est que je ne rentre pas dedans pour le moment. Donc à chaque fois, je m'ostine à prendre du 38. Mais j'aurais dû prendre du 40. Donc est-ce que je le garde jusqu'à temps que je perde un petit peu de poids? Ou est-ce que eh ben, je vais le dire. Enfin, est-ce que je vais le ramener à Jennifer? Je sais pas encore. Mais j'aimerais bien le garder quand même. Mais il faudrait que juste que bah, je puisse rentrer à l'intérieur. Et en dernier article, on a... Ah non, il y en a un que je ne vais pas pouvoir vous montrer tout simplement parce qu'il est au sale. Mais pareil, je vous montrais une image. En fait, c'est exactement ce qui va avec ça. Donc en gros, ça, c'est un sweat à capuche où c'est écrit Stanford. Moi qui suis fan de tout ce qui est américain, etc. Et il est hyper doux. Donc c'est un sweat à capuche, bien sûr. Hyper long aussi. Et donc ça c'est hyper bien parce que bah, quand vous voulez pas, quand vous savez pas quoi mettre. donc c'est ML, il est couleur bordeaux, il coûte 27,99€. À l'intérieur du coup c'est molletonné bien sûr. Et franchement il a l'air genre nickel. Bon là forcément il fait un peu chaud donc je vais éviter de le mettre mais voilà. Et du coup le dernier article donc que je ne peux pas vous montrer. C'est tout simplement bah, le t-shirt qui va avec, que je voulais acheter, pour mettre ça dans le carton. Oui, parce que ça, je ne vous ai pas précisé, c'est que je l'ai commandé. Enfin, je suis pas allée au magasin, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne savais pas pour le pantalon si je pouvais rentrer dans le 38 ou pas. Mais c'est pas grave. Et donc, du coup, jusqu'à maintenant, donc j'ai porté celui-là. Celui-là, j'arrête pas de le porter. J'ai porté... En fait, vraiment porté une journée, c'est j'ai porté que celui-là. Après les autres, bah, je les ai essayés, mais le problème c'est que je me suis dit, ça se trouve, il va faire trop chaud en fait, donc bah, je les ai pas encore portés. Parce qu'il y a certains, les gilets comme ça, là, ils ont l'air un petit peu chaud. Donc du coup, voilà. Et donc du coup, ouais, pour le moment, bah, je vais voir pour le pantalon. Et je l'ai... Ah oui, pour toute la commande, si ça vous intéresse. Ah oui. Oui, donc pour la commande entièrement, j'ai payé 127€. Et du coup, ah oui, et le t-shirt que je ne peux pas vous montrer, c'est exactement le même. C'est, en fait, il est tout blanc, mais là, sur les épaules, il est, enfin, sur les bras, il est rouge, comme vraiment les pulls américains, tout ça. Et vraiment, moi, j'adore. Et du coup, il coûtait 12,99€. Ouais, voilà, 12,99€. Donc voilà pour cette petite sélection de vêtements de Jennifer. Celui-là c'est ouais, 17,99€ et 9,80€ ou alors 9,99€. Oui je l'ai pris en M donc il doit coûter 9,99€. Couleur bordeaux. Donc ouais celui-là coûte 9,99€. Celui que je vous ai pas montré. Après du coup celui-ci coûte 25. Et du coup, bah, il me reste celui-là. Donc ça, ça doit être bah, le gilet que je vous ai montré, un peu camel marron. Donc, parce qu'il n'y a que celui-là qui n'a plus d'étiquette. Il coûte 17,99€. Et je crois que c'est, oui, c'est le même prix que, bah, c'est le même prix en fait que le blanc, tout simplement. Donc voilà. Et bah, et aussi, je vais essayer un peu de varier parce que du coup, bah, je mets tout le temps celui-là. Donc je pense qu'à force, j'ai un point d'avoir marre.
Donc voilà, bah du coup dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content de me revoir déjà? Parce que ça fait quand même un mois que je ne vous ai pas fait de vidéo. Est-ce que vous êtes content que je vous ai filmé en extérieur? En plus j'ai presque plus beaucoup de batterie sur mon téléphone, donc du coup je me suis dit, et je filme ou pas? Et finalement je suis trop contente de refilmer. Et en plus pour vous apprendre des bonnes nouvelles. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la chaîne vous intéresse. Et franchement merci beaucoup de me suivre, parce que je reçois des commentaires même si je ne fais pas de vidéos sur YouTube. Et vous me suivez en fait, enfin vous vous abonnez à moi alors que je ne fais pas spécialement de vidéos. Donc merci beaucoup. Et on se dit comme d'habitude à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!